Salut YouTube, on continue Neo Abyss, on va se faire une petite run. Ça fait plaisir. Allons-y. Personnage. Et bah en vrai, on va continuer avec Kana. Parce qu'elle a 4 points de vie, donc certes, elle a pas de bombe. Mais les bombes, on sait pas s'en servir. Donc j'espère que la démo vous aura plu. Malgré les 2-3 bugs. J'adore ce jeu, c'est un roguelike hein, pour rappel, hein, c'est du style de Isaac. Enfin, et de tant d'autres, hein, mais moi je dis Isaac parce que c'est un des jeux auxquels je joue le plus. Donc voilà, j'ai prévenu, ces vidéos dureront plus longtemps. Le temps d'une run hein, finalement. Une run ou deux, hein, ça dépend. Si la vidéo doit durer 2 heures, elle durera 2 heures. Toujours le même problème des temps de chargement, mais bon, ça, j'y peux rien. C'est mon PC, c'est pas le jeu, hein. Le jeu, lui, il fonctionne très bien. Et la dernière fois, on avait vu un peu la salle des succès, le labo, et la salle des succès juste avant, le sous-sol. Voilà, on était à 3 sur 394, comme ça. Donc, on peut se TP, on a un jump, du tir. Là, on a un shop direct. Bah, en vrai, on peut aller voir tout de suite. Hein. Pour combien? Lame pavillon pour 30. Gelée de citron, tout ça. Oh, ok, on va. Et direct une salle de challenge. Bah, allez. Allez. Voilà, direct, direct, ça commence. Ah, j'avais pas. C'est nouveau ça. Oh! Oh! Pourquoi le jeu il devient injouable? Ah ouais! Oh, ce qui m'a mis? Ah oui, bah oui. Bon bah, on continue. Dès la première salle, le jeu est devenu injouable. Ah voilà, des fois, voilà, c'est les runs. Atypique des runs Isaac hein, finalement. Hein. Ok. Ouais, bah oui. Bon, on y retourne. Oh putain, voilà. Ah oui, quand je disais quel durait le temps du run, mais si la run dure 3 minutes 30, on va continuer un peu. Ah ouais! Ah mais le truc au milieu, c'était pute quand même, hein, parce qu'on pouvait pas le détruire. Hein. Salle de chien. Ah! Ok, un truc de chance. Attendez, attendez. J'ai pas de bombe, mais il y a un passage secret ici. J'ai pas de bombe. Ah oui, par contre, j'ai commencé avec la meuf sans bombe, mais. Du coup, il y a deux endroits intéressants ici avec des bombes. Hein. J'ai une clé ici, donc allons-y. Black Frag Death.
5 pièces. Ok. Une clé. Ok, ok. Salle des coffres. On va y revenir. Ok. J'ai 4 pièces. Ok. C'est un roguelike. Hein. C'est normal qu'on se fasse défoncer au début et qu'on comprenne rien. Hein. Le masque rituel. La corne d'ange. Allez, corne d'ange. Hein? Attendez, attendez. Tout n'est pas perdu. Laisse tomber un cœur volant. Et un bouclier volant en cas de blessure. Ok, c'est un revenge. Un revenge défensif. Comment on monte? Ok. Salle. Oh putain. Oh putain, il y a des trucs de partout. Il me faut des bombes là. Le shop. 15 balles. Sentinelle, lame de l'ombre. Sentinelle, je pense. On va prendre 15 balles. Il nous faut 15 balles. Putain, on peut avoir des tonnes de trucs. On n'a pas de stuff. Voilà aussi, le problème avec le roguelike, c'est que le roguelike peut être une pute. Allons-y, la chance vous sourit, je suis d'accord, mais du stuff quoi. Il a tué son pote, et ça me va. Attendez, j'ai une clé. Va falloir bien réfléchir où la mettre cette clé. Ah oui, d'accord. Volant. Une clé. Ça c'est quoi? C'est compte de la vie? Mais non, c'est le boss. Je suis débile. Oh non, j'ai pas de stuff. Oh non. Je suis débile.
Attends, il faut bien cloquer. Oh, augmente les dégâts d'armes. Très bien. Bah non, il y a plein de trucs à faire. J'ai 3 clés, j'ai 17 balles. Je vais avoir une nouvelle arme d'ailleurs. Ok. Par contre, j'ai toujours pas de bombe. Hein. Une salle. Oh, faut vraiment que j'apprenne les symboles hein, parce que le boss c'était pas sympa. Hein. Non, c'est par là. Ah bah très bien. On va aller chercher la nouvelle arme. Le shop déjà. On a toujours pas de bombe. Hein. Actif, augmente votre cadence de tir dans la salle actuelle. C'est cool. Bon là je peux rien utiliser, j'ai pas de bombe. On va voir en bas. Cela j'ai des cristaux. C'était où? Fallait d'une bombe, ok. J'ai une clé hein. Est-ce que fallait une clé? Non, fallait des sous. Bah déjà voilà, pour ça faut une clé. Et ça j'en ai des clés. Clé plus cristal. Putain, ça coûte cher hein. On va se mettre bien par contre. Hein. Faut de la chance. Merci. J'ai une bombe. Ah oui, mais il se dérouille avec des cristaux. Donc dans ce cas-là, on va ouvrir l'autre. Parce qu'il y avait des coffres à côté. Lui. Un œuf, 2 œufs, ok. Alors ça donne des petits trucs. Et ça, je sais pas ce que c'est par contre. Challenge, j'ai pas de bombe. Bon bah tant pis, cassons-nous. J'ai des dégâts augmentés et je peux augmenter ma cadence de tir pour la salle, pour l'actif. Ce qui est fort. Hein. Ah oui, les salles d'objets coûtent des clés. Donc, faut pas oublier de garder une clé en fait. Parce que la salle d'objets, bon. C'est assez essentiel. Allons-y. Chargement. Toujours chargement, hein, des os. Après, vous pouvez avancer sur YouTube. Hein. C'est l'avantage. Bon bah si ça vous plaît, je vais faire d'autres vidéos dessus, hein, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Parce que moi, en tout cas, ça me plaît. J'adore ce jeu. De toute façon, j'adore les roguelikes. Du coup, c'est quoi? C'est clic droit. Ah, c'est homing en plus? Ah oui. Par contre, il n'y a pas de range. Est-ce que je peux le détruire? J'ai qu'une clé donc pour l'instant. Allez, c'est bon, on est là pour rigoler. Voilà, il m'a offert une clé, vous voyez. Ça paye d'être joueur. Mais ça coûte quoi d'utiliser
L'actif. Ah, ça coûte des cristaux, d'accord, ok. Pour info, mon arme, je vais pas la changer. C'est quoi? On peut avoir des infos sur l'arme? Sentinelle. Une clé, une bombe. Ça me dit qu'il y a un coffre. Il est où ton coffre? Il est où ton coffre, frérot? Il est caché? Bon, je sais pas, avançons. Il y a un coffre caché quelque part. Ça c'est cool. Des fois ça ramène des petits familiers qui sont sympas. J'essaye, hein. Alors l'avantage c'est que je peux me concentrer sur les ennemis des bombes. Parce que mes tirs sont au mid. Juste j'ai pas de range. Il y a un coffre à péter, on va l'ouvrir lui. On a des bombes. On a toujours le truc que quand on se fait... Il y a deux coffres. Ah non, mais oui, c'est vrai. Ok. Merci. J'ai gaspillé une bombe et en plus je l'ai fait péter sur moi. Sympa. De toute façon, si jamais une salle part trop en couille, je peux augmenter ma cadence de tir à tout moment. Allons-y, avançons. Avec clic droit. Ok, cool. Échec des clochons, sympa. Oh, il y a un passage là. Non? Ça va, c'est des sbires. Yano, elle jette une lance pour attaquer ses ennemis. Ok. Ok. Ah, salle d'objets, j'ai une clé. J'en ai même deux. Salle d'objet et boss d'ailleurs. Alors la couronne on l'a déjà eu. Je sais plus ce qu'elle fait mais on l'a déjà eu donc on va plutôt faire le mini radar. Tiens. Ok, ça marque tout ce qu'il y a sur la carte. Et bah c'est sympa. Ok, c'est une blue map. C'est la blue map de Isaac. Pour ceux qui ont la ref. Alors évidemment on va pas faire le boss tout de suite. Hein. Attendez, attendez. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Putain, mais... Ok, ok. Ah bah là... On va revenir. Voilà.
C'est temporaire, hein. Ok, ouais. Il y a un shop aussi, j'ai 45 balles. Une bombe. Ça sert pour la salle des coffres tout en bas. Ok, j'ai qu'une clé donc il va falloir faire gaffe. Une nouvelle arme. Boîte d'allumettes. Poussière d'étoile, essayons. Je sais que. C'est nul. Donnez-moi ma sentinelle. Achète une bombe, tiens. Non. C'est nul, j'ai gaspillé des cristaux en plus. Alors ça, j'aimerais bien la faire. Avec des cristaux. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Voilà. J'ai pas de clé. Non, en vrai, on va pas faire la salle de challenge, on va faire le boss direct. Ça se cumule ou pas? Oui, ça se cumule. Oh, je le défonce! Nouvelle classe. De la vie ou un... Non. Les dégâts. C'est fort, hein. Il y a peut-être moyen qu'on aille au bout de la run. Je dis ça, je vais me faire exploser. Mais il y a moyen. Je suis sûr, il y a moyen. Putain, ce jeu auquel tu peux plus t'arrêter. C'est aussi ça les roguelikes, hein, c'est que bon. Tu peux plus trop t'arrêter quand tu commences. J'aimerais bien atteindre là le niveau 5 là. J'allais vous montrer que maman, mais non, vous voyez pas, je suis con. J'aimerais bien atteindre le niveau 5, juste une fois. Voir ce que ça fait. Mais on va se focus et on va essayer. Ah oui, c'est vrai que j'ai un sbire. Bon, ok. J'ai remarqué que souvent la salle à l'entrée à gauche c'est gratuit quoi. Ça c'est cool. Faut une bombe et puis de toute façon je vais pas faire péter avec une bombe. Ah oui, au fait, j'ai la map. Bah tiens, je me dirige vers la salle d'objets là. Quoi, c'est tout ce qu'il y a sur cette map? Okay. Merde.
Une clé. Attends, tant mieux, je me dirige vers la salle d'objets. Une bombe. Il y a un coffre. C'est celui que je viens de prendre, je suis débile. Il y a un autre coffre. Il y a des cristaux, ça c'est cool. J'ai vu en haut, j'explore. Merde, comment on fait pour y aller? Comme ça. Ok. Je sais pas ce que c'est le niveau max de vie. En tout cas, on est bien. Un cube d'énergie. Une vue perçante. Ça, je suppose, c'est pour les secrets. Je sais pas. Et c'est un cube d'énergie. Chaque fois que vous activez la pierre de portail, ok, vous avez une chance. Merde, j'ai pas lu. Vous avez une chance d'obtenir un bouclier. Oh, bah, c'est sympa. Ok, défensivement, on est bien. Niveau attaque, on est bien aussi. Attendez. Parce que les pierres de portail, c'est ça, je crois. Hein. C'est barré. Bon, j'ai un œuf. Ok. J'adore ce jeu. Vraiment. J'ai des bombes. Ça sert à R. Ok, 3 cristaux, pourquoi? Ah bah ok. Parce que des cristaux, on en a. Hein. J'ai 42 balles. Et j'ai toujours... Ah oui, j'ai mon Steam Sale. Faut oublier que les shops sont coût divisé par deux. Donc le shop ici... Vous entendez un bruit étrange au loin. Hein? Ok. Je sais pas ce que c'est. Oh, ça va. Car ça, qui jette des bombes au-dessus des ennemis. Ouais, mais c'est dangereux ça, non? Parce qu'au-dessus des ennemis, je veux bien, mais si ça me touche, moi, on fait comment? Donc là, j'ai eu un bouclier. Il y a un coffre démoniaque qui va me demander de la vie. Oh les bâtards, ils me demandent de la vie et des cristaux. Ah
Alors je sais pas s'il y a un système de speedrun, de boss rush et tout ça, mais bon, c'est trop tôt dans le jeu pour découvrir ça. Oh merde. Mais tu bâtard. Ok. Merde, il y avait une pièce là. Il tire des balles musicales sur les ennemis. À la mort, tire 5 balles musicales. Ok. Une grenade. Un coffre qui me demande des cristaux. Une salle de challenge qu'on va sûrement faire. Le boss à droite. Le shop. Il faut 3 cristaux. Ouh le lag. Ouh le lag. C'était plus sur moi les bâtards. Je vous avoue que je vois pas grand chose. Hein. C'est quoi ça? Badge d'armes. Augmente le niveau d'armes. Et donc? Ça fait quoi? Ça augmente les dégâts? Je veux savoir ça. T'es en TP? Je peux me TP là? Oui, je peux. C'est quoi? Alors, pierre aiguisée, puce prothétique. Gauche. Dans cette salle, vous utilisez une attaque de mêlée, vous infligez. Hein? Plus vous utilisez votre attaque de mêlée, plus vous infligez de dégâts. Ah oui, truc de bourrin, mais j'utilise pas les attaques de mêlée. Il me faut des cristaux. Chop. Une guitare, un tournevis. Tournevis. Je suis suffisamment armé et vous laisserez tomber des clés supplémentaires, ça c'est cool. Une guitare. D'accord, sympa. Mais je préfère mon truc homing. C'est ce qui va me permettre de terminer la run. Lui il me demande combien de cristaux d'eau évidemment. Allons faire le boss. Ah je peux pas activer mon actif par contre. Dieu des écrans, Sung. On le connaît pas lui. J'y vais, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui d'accord. Oh, il est pas chiant. Bah là j'ai pas le choix. Augmente les réceptacles de cœur, ça c'est très bien.
Bon bah j'ai tout fait, allons-y, avançons. Niveau 4, on ne l'a jamais atteint en 35 minutes. Ça va être bien. Allons-y. On va peut-être aller au bout de cette run, qui sait? Voilà, c'est ça aussi. En fait, dans ce genre de jeu, au début en tout cas, faut farmer quoi. Faut farmer tout ce qu'on peut farmer parce que le jeu, il est sans pitié des fois. Hein. Vous avez bien vu dans la run, la toute première run qu'on a faite dans cette VOD. En 3 minutes, j'étais mort. Je m'étais fait défoncer dans la salle de challenge. Forcément, bah, ça aide pas. Aïe 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 aïe. Toujours ces temps de chargement de l'infini, on dirait Skyrim, mais bon, c'est mon PC, c'est pas le jeu, une fois de plus. Ouais, voilà, tiens, on en parlait, les salles de défi. Ok, avançons. Et j'ai 3 spires, hein, mine de rien. Bah, clé. Ah oui, c'est vrai que j'ai la map. Alors, une nouvelle arme, mais je veux pas de nouvelle arme. Casque spatial. Vers l'infini, augmente votre hauteur de saut. Ok. Bah, c'est cool. Ah oui, j'ai eu un curve en plus. J'ai pas de clé, donc ça règle le problème. Faire ce qu'on a pour l'instant. Ah, une fameuse salle. Il y a un shop. C'est un shop pour l'instant. Ok, ça rebondit partout. Merde! Ouais, faut le rattraper par contre. Hein. Il est vide. Alors, c'est quoi ça? Je sais pas. On atteint direct le boss. Lui il me demande 2 cristaux. Il est où mon cœur bleu que je suis censé avoir? J'ai peut-être atteint le niveau max aussi, hein, je sais pas. Hein. Brique bleue. Alors, brique bleue. Cette petite brique bleue bloque les balles ennemies à la mort. Vous avez une chance d'obtenir une autre brique bleue. Bon, c'est sympa. On commence à avoir une run sympathique. Évidemment, on va pas faire le boss. Ah, mais d'accord, on le voit, mais en gros, c'est pas tout de suite. Attention. Aïe. Elle a pas bloqué le tir. Hein. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Des cristaux. Une clé. On pourra peut-être faire un coffre violet. Pas très convivial hein.
Ok, c'est marrant. Bah, évidemment que. Bloque les tyrannies. Vite fait quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Des connards. Oh la mouche. Ok. Toujours que 3 cristaux, je préfère le garder pour le boss. Ouais, mais il y a moyen. Utiliser une clé, hein. C'est bon, on va l'avoir notre demi-cœur bleu, c'est pas grave. Là-bas, il y a le shop. Allons vers le shop. Il m'a niaqué ! Attends, il y a des cristaux. Bah, allez-y, on va ouvrir un coffre. Ok. J'aimerais bien avoir le truc alien pour avoir double cœur. Ok, festival des clés. Le shop. 3 cristaux, putain. Une nouvelle arme, mode roquette, un cœur bleu, mode roquette, on l'a jamais eu. Vous avez une chance de tirer une... Okay. Ouais, mais je suis toujours roaming. Et ça, c'est une nouvelle arme, on s'en fout de l'arme. On fait un full clear, hein. Oui. Oh oui, oh là là! On devient dangereux. On devient très dangereux. Voilà, voilà pourquoi on fait un full clear. On va se TP, hein. Aïe. Ah oui, ah oui, oui. Mais ça, avec la cadence de tir que je vais avoir quand je vais faire clic droit, ça va être festival. Hein. Bon, j'ai pas vu de truc à bombe. Allons-y. D'accord, bon, on va ouvrir l'autre coffre. Attendez.
Et pas un coffre. Non, bah j'y arrivais. Dernière salle. Ok. Je suis vraiment. Merci. Je suis un connard. Ah bah si, il y avait un coffre. Bon, on va prendre après Dieu des idoles. Ouais, bah de toute façon là, ça va être clic droit et. Et là, mon copain, tu vas prendre cher. Hein. Je me fais toucher. Faut mourir. Allez, allez. Oh le bâtard. De la vie ou du dégât? Du dégât. Parce qu'on a le truc des cœurs bleus. Voilà. Vas-y, on va faire la salle de challenge. Attends. On a juste à se TP, ça va. Petite salle de challenge. Fallait quoi d'ailleurs? Fallait une clé. C'est pour ça que je l'avais pas faite d'ailleurs. J'ai pas de cristaux. Sympa. Et nounours explosif. Lui d'abord. Ah oui, d'accord, ok. Nounours X-Men. Je me fais, mais. Aïe. Heureusement qu'on va avoir des trucs de TP. Ah oui, d'accord, c'est un spawner à sbire. Ah bah super. Grip sous, j'ai eu en sbire. Par contre, je suis mal. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, le frérot? C'est lui? Bébé, laisse tomber des pièces aléatoirement. Ok. Allons-y. Dernière salle, dernier boss du jeu. On y est. Ce serait bien que la termine, parce que comme ça, j'aurais plus besoin de, j'aurais pas besoin de chercher mon titre de ma vidéo. Ce sera, on termine une run. Et ce sera excellent. Allons-y. Et là, on va force focus, hein, parce que je me fais défoncer hein, quand commence à y avoir beaucoup d'ennemis ou des trucs. C'est pour ça que j'ai augmenté les dégâts de l'arme, parce que je préfère des dégâts. Hein. Parce que si on a des dégâts, plus on a des dégâts, plus on élimine les sbires. Parce que souvent les boss, les trucs, les gros trucs, ils font spawner des sbires. Et c'est eux qui nous mettent dans la merde tout le temps. Donc là, on va remédier à ça. Ok. Il donne chaud par contre ce jeu. Putain. Allons-y. Bon, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. Hein, parce que, évidemment, quand je joue à Isaac et tout comme ça, ça va être des parties longues. Ça va pas être des speedruns. Encore plus dans la découverte d'un roguelike comme ça. Hop. Salle d'objets. Alors, attendez. Analysons. Boss en bas à gauche. Challenge en haut à droite. Salle d'objets. Et shop en haut à gauche. Salle d'objets, évidemment, d'abord. Ah oui, d'accord. C'est quoi ça?
craigne pas les piques, hein. Je suis une merde. Mais... vide. J'ai 8 clés, j'ai des sous, j'ai tout. 2 clés? Petit bâtard. C'est quoi? C'est parce que c'est le dernier? Compte étrange. Ça, on l'avait pas pris, je crois, la dernière fois. Prenons-le. Si je suis blessé, ça augmente ma cadence de tir. Alors, ça va m'arranger. Surtout pour le boss. Ok, il y a des pics de partout. Faire gaffe avec mon saut augmenté. C'est quoi ça? Attendez. Oui, bah là j'ai des clés donc on va s'en servir. Oh, des cristaux. Ok. TP. On a toujours elle qui envoie des bombes et on a nos missiles, hein. Ah bah oui. Je l'ai pas récupéré. Un deuxième grip sous. Ah oui, d'accord. Ah, c'est une chance. Le boss est là. Mais on va évidemment pas le faire. J'ai rien gagné? Ah! Bah non, j'ai besoin de rien. On va le faire pour... voilà. Révèle la vérité, affiche toutes les salles sur votre carte. Oh, on a une map. Lui, je peux lui donner des grenades. Oh, c'est trop bien. Chaque fois que vous ramassez quelque chose dans cette salle, votre dégâts d'armes augmentent. Ok. C'est un combo, ça. Alors de la vie non et des clés non. Ah oui, je me suis fait toucher. Donc c'est un carnage. Ok. Pas de cœur bleu?
Ok, ça me demande Il y a une salle de challenge là. Ah ouais, d'accord. Je suis une merde. Ok, grosse salle au trésor. On s'est mis bien. Challenge. Ah oui, d'accord. Oh non. Aïe! On voit pas grand chose, mais on est pété. Sœur zombie. Arrête de tirer! Quel connard! Tire des balles empoisonnées sur les ennemis, ok. Augmente le niveau d'arme. Ça, je sais toujours. Allez, ramasse les sous. Si bâtard. Ah oui, non, c'est pas le même du coup. Ok. Ah oui. Ah, ça, après, on a 177 et on a la dernière salle. Ah oui, mes dégâts d'armes augmentent. Quand je ramasse quelque chose. Hein? J'avais pas vu. Je veux ces clés. Je suis une énorme merde. Le shop. Cristaux et ça là. Ah d'accord, je peux me prendre un dégât. Ok, je le saurai. Ah oui, mais faut faire le shop là. On va step. Attendez. C'est bon. Cartouche de jeu, on l'a déjà eu. Bon, ça c'est sûr. Météor. Des larmes tombent. D'accord, on prend ça. Et ça fait quoi l'actif? Ah, on peut voir l'exécution explosion. Ouais, non, on prend ça, on prend ça. Y a rien d'autre. Allons-y. Dieu du Darknet, Argos. Je me fais défoncer.
je l'ai défoncé, je l'ai défoncé. Oh! Entrée. C'est pas fini? De la vie. Ouais, mais ça me va. C'est pas fini? Attendez, attendez. Allez, j'ai peur que si. Ah, je peux pas quitter, ok. Entrée. Ça fait quoi? C'est pour repartir au bar? Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah, voilà, ça fait une vidéo d'une heure. Ce n'est que le début. Super, en battant le premier gardien, vous avez débrouillé de nouveau des niveaux gardiens. Mais d'autres défis vous attendent. Ah, c'est la première run. Ok, et bah la vidéo aura duré une heure. Attendez, attendez. On va débloquer un nouveau perso, hein, au passage. C'est quoi ça? Ah, un des gardiens? Bien joué, vous avez déroulé un nouveau gardien, un nouveau niveau. Ok. Alors, on a fait lui. Et... Oh là. Ok, mais je peux pas. Voilà, aller au bar, plutôt. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on prend d'autre? On va se servir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce nouveau perso? Cascadeur talenteux, il peut réaliser des actions périlleuses. Caractérisme up, peut faire une roulade sur une courte distance. Il a 3 points de vie par contre. Ok. Et eh ben on les serra. Hop, on arrête le timer. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu et à activer la cloche aussi. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Elle a duré une heure, mais bon, c'est une run Isaac quoi. Bye bye.